Yo les gars, c'est Nancy, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur One Punch Man World, je crois le nom. Ça fait, je crois, la quatrième fois que j'enregistre cette vidéo. Ça commence à m'énerver parce que je suis un trou du cul. Mec, je sais pas recorder une vidéo quoi. Je suis parti en vacances une semaine, je sais plus faire de vidéo. Mais du coup, dans cette vidéo, on va un petit peu découvrir le jeu. Même si bon, j'ai déjà découvert depuis 30 minutes. Et je vais vous faire quelques invocations, un peu de gameplay. On va faire le tout en un. J'ai fait les autres vidéos parce que j'ai montré ma clé de bêta. D'ailleurs, c'est cool, j'ai été sélectionné pour la bêta. Mais malheureusement, je suis parti en vacances le jour de la bêta. Donc, je suis un peu en retard, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même jouer un petit peu. Il vaut mieux y jouer que pas du tout. Je sais pas, la bêta se termine quand, s'il y en a qui savent. Parce que quand on va dans cet onglet-là. On peut voir qu'il y a des récompenses quotidiennes, sauf que ça se termine dans 2 jours. Donc j'ai un peu le seum déjà. Heureusement, je vais avoir le Choose SSR, donc ça c'est sympa. Mais j'ai loupé trop de récompenses, les gars. J'ai trop le seum. Même là, pareil. Donc j'ai vraiment le seum. Mais bon, au moins je suis sélectionné à la bêta. Et c'est mieux que rien. Alors, on va se faire d'abord quelques invocations. Le jeu d'ailleurs est incroyable, les gars. C'est un peu un genre d'Honkai Star Rail. Pour le déplacement et pour les combats, c'est à la Genshin. Enfin, c'est vraiment cool. Attends, par contre, je suis perdu dans les menus, moi. Alors, attendez. Non, les gars, je suis trop perdu. Je suis perdu. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est peut-être F2? Ok, c'est F2. Donc là, l'animation est un peu relou quand tu veux faire des invocations. T'es obligé d'attendre. Bon, tu peux skip, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Regardez tout ce que tu dois attendre juste pour invoquer. Alors du coup on a quoi? Beginner's Collection. 29 jours. Ah ben la bêta, elle reste longtemps peut-être. Je pense qu'elle reste longtemps. Diderot, nanana. Bon j'ai pas capté. Limited truc, on peut avoir Sonic. De toute façon j'ai pas assez. Ok. Et Daily Limit. Non! Je voulais pas! Je voulais pas! Je voulais pas! J'ai pas fait exprès. Bon au moins je vous montre l'animation. Donc, c'est une single là, je crois. Ok, et on a eu de la merde. Je l'ai déjà en plus. C'est la seule carte qui te donne gratos, frère. Ensuite, on a la truc de la bannière arme. Et on a la classique. Bon, vous savez quoi, on va quand même faire la classique. Enfin, pas la classique, mais. On va faire la single, pourquoi pas. On a fait sur l'autre. Est-ce que la bannière arme va nous porter chance? Et non. Oh non, pas pris prisonnier, pris prisonnier. Bon alors. Ah d'ailleurs, il y a un SSR garanti à 90. Bon, on n'est pas là pour voir les bails comme ça. On va faire celle-là. C'est la beginner à 260. Ok, gold, non, gold, violet, est-ce que ça peut encore changer de couleur ou pas? Violet, ok, ça ne changera pas de couleur. Alors on a qui? Bon lui on le voit pas beaucoup dans l'animé, oh je les ai jamais vus ceux-là. Ok, le petit vieux, One Punch Man, ah si, ah ouais, c'est la flèche, je sais pas quoi, Genos, ceux-là on les connaît. Mais là j'ai que des armes par contre. Roulette Rider. Bah c'était de la merde. Je vais même pas save. Donc là on a eu que des armes, une arme SR. Oh gold. Donc là si j'ai bien compris, j'ai le droit à 10 multi et je sauvegarde. Donc ça sera très bien pour reroll. Parce que même si vos 10 multi sont à chier, vous relancerez, vous rerollerez. Et puis voilà. Bon là ce qu'on veut c'est 2 SSR. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai. Pour l'instant, on a que de la merde, que des R, que des R. Et Sonic? Ah, Sonic, mais en mode prisonnier. Donc, ça veut dire que c'est pas le même que. Est-ce que c'est le même que dans la bannière machin? On ira voir après. Hop, j'ai save. Et on continue. Ok, let's go. Ok, violet.
Là, je ne sais pas si il peut y avoir des baits, est-ce qu'il peut y avoir des multiplications. Des transformations de violet en légendaire, j'en sais rien. Ok. Bon, les cartes, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup au début du jeu. Oh! Oh non, pas le One Punch Man. C'est pas One Punch Man, mais vous avez capté. Le Marteau Man. Mais c'est un SR ça ou SSR? Mais oui, c'est un SR. Pourquoi ils me font une animation pour un SR? J'étais hype pendant quelques secondes. Par contre, j'ai l'impression que les cartes rares tombent toujours en dernière. C'est un peu bizarre. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est le dixième pool qui est garanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je skip. Voilà, c'est encore lui. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chance. Hop, on continue. Oh, gold. Allez, on veut deux SSR. Parce que c'est mieux qu'un seul. Ok. Après, je vais vous faire quelques gameplays. Parce que le jeu est vraiment cool. J'aurais dû compter. Oh, c'est Genos, non? Ah non, j'ai mal lu. C'est Boros, Cyborg. Ah, mais si, c'est Genos. Ok, Genos, stylé. En attendant, je sais pas choisir qui entre les deux cocos. Ah, on a que 3 save results. Je vais mettre là, hop. Je sais pas si ça sert à quoi d'avoir des save results. Genre, choisis une seule bannière, j'en sais rien. Ou je sais pas, ils auraient dû mettre les 10 les 10 vœux et tu choisis. Pourquoi t'en gardes 3 et tu choisis parmi les 3? C'est un peu teubé. Mais bon. On va pas s'en plaindre. Ah, on a eu pas mal d'SR, je viens de voir. Bon, je skip, c'est encore le même. On a eu pas mal d'SR là. Mais bon, on veut des SSR. Oh ouais, let's go baby. Bon, je pense que le rate d'avoir des SSR dans la bannière comme ça, il doit pas être très haut. Je pense. Je pense que même pour ceux qui rerollent, il y a peut-être moyen d'avoir genre peut-être 3 SSR si vous rerollez beaucoup. C'est qui lui? Silver Fang? C'est le vieux, non? Ouais. Ah, pour l'instant, entre les 3, je sais pas qui choisir. Je sais même pas. Dis-moi que c'est un deuxième SSR, s'il vous plaît, pas un SR. Pour les Trader? Pour les Trader, est-ce qu'il peut être SSR? Je pense pas, frérot. Ouais, non, c'était sûr SR. Ah, c'est dommage. On va quand même le sauvegarder parce qu'il y a eu le vieux coquin. Pourquoi lui il est rouge? C'est un vilain? C'est pour ça? Ok, bref, on continue. J'ai presque envie de skip. Mais on profite un peu, c'est le début. Allez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, c'est un SR ou le Trader, c'est de la merde. Ok, on continue, on speedrun. Blablabla. Si je skip, il se passe quoi? Ah, ça skip en entier, ok. C'est qui? C'est Sonic? Donnez-moi un deuxième SSR, s'il vous plaît. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Saitama Dream World! OMG. C'est un SSR? Dites-moi. Bah, oui, c'est obligé, Saitama. Oh, OMG. Oh, mec. En fait, quand tu skips, t'as des trucs de fou. Bah, on va remplacer celle de Sonic. Putain, de banger de fou. Je pense qu'il est pas mal ce perso. Bah, Saitama, quoi. Et on va skip la dernière. Et on a eu de la merde. Ah, on peut continuer avec 25. Ok. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Get this result. Ok. Donc là, j'ai gagné ça. Boom. Blablabliblablu. Speed, blablabla. Ok, et après, il disparaît. Ok, donc en gros, vous pouvez faire à l'infini avec vos cristaux blancs, là. Mais je conseille pas, en vrai. Vaut mieux les garder. Et puis reroll, au pire. Ok, on a 50 vœux sur la normale. Donc ça, c'est des trucs qu'on va avoir pour nous. Bon, je skip quand c'est du SR. On a eu un nouveau perso. Pas mal. Le moustachu.
Ok, encore du violet. Bon là on devrait avoir moins de Genos. Ok. En SR. On devrait pas avoir de légendaire. Oh! Comment c'est possible? Troisième pool dans les jeux normaux, troisième multi, c'est une early de fou. Je sais pas si ce jeu est plus simple ou pas. Donc on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais c'est bizarre, ça arrive toujours à la dixième. Oh mais c'est encore le même, c'est une blague. Bah au moins on va voir ce que ça donne des doublons. Un cube bizarre et des fragments. Ok, on skip. Lui je l'ai, donc pareil, fragment. Et... Oh, 2 SR. Je l'avais pas celui-là. Ah mais les deux je les avais pas. Ok. Pas mal, pas mal. On va même faire la single, hop, on s'en bat les couilles. Ok. Bah franchement pas mal, franchement pas mal. On est beaucoup de persos. Team. Team, team, team. Je vais mettre le petit Saitama en premier. Le petit Sonic en deuxième. On a eu qui d'autre en SSR? Je crois aucun. Je mettrais bien. Ah mais il y a des types. Ah mais ils sont tous les deux rouges ceux-là. C'est dommage ça. Bah, du coup je vais mettre lui qui est bleu. Et je vais mettre celui-là parce que je l'ai pas encore joué. Ok. Donc là on a notre team. Character Development. Ah oui attends donc. Ok ils sont tous là. Alors, développe. Ça donne combien d'XP? 10. Oh, c'est un peu chelou. Max upgrade. C'est 12 le max? Ah non, j'ai juste plus de cartes. Ok. Frère, je comprends rien. Breakthrough 1. Battle tier. Donc là, c'est pour mettre un item, je crois. Je l'avais vu ça tout à l'heure. Ok. Potentiel, donc c'est S1 en gros et ça va jusqu'à 6, qui est comme Genshin. Par contre là il y a encore le... Il y a marqué comme quoi je peux encore l'améliorer alors que je peux plus. Ok, dans les skills, training group. Ok bon, le training j'ai la flemme. C'est quoi cheap? Je sais pas. Est-ce que j'ai des armes pour lui? Non. Ah mais je dois mettre que ses armes à lui en fait. Je peux pas mettre les armes d'autres persos. Et je peux l'upgrade. Mec, je comprends rien, mais vas-y. Donc là, c'est avec les cartes que j'ai, ça s'améliore. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sonic, on a quoi? On a ça. On a ça. Bon, je vais le faire quand même à la vite fait, parce qu'on n'a pas le time. Attends, il est où l'autre? Il est là. Je vais mettre ses cartes. Ok. Et puis le reste, je vais pas l'améliorer. On va jouer Saitama, c'est très bien. Et là-dedans, on a quoi? On a des achievements. Bon, la flemme. La flemme, la flemme, la flemme, la flemme. Ok, c'est parti pour jouer. Je vais juste mettre le collègue. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Il est là. Non, il est là. Magnifique. Ok, let's go, on joue. Je sais pas où je vais. Ça doit être là. C'est pas là. C'est là, c'est pas là. Je dois faire quoi? Challenge any join section, blablabla. Ok, let's go. Mec, j'ai mal à la voix. Celui-là, il était stylé comme combat. Je vais vous remontrer. Hop. Tan, 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 tan. Mais du coup, je vais pas one-shot les ennemis là. Frère, c'est un fake avec ta main. Oh, j'y fais super mal. Mais après, je l'ai un peu amélioré donc. C'était quoi ça? Il est mis en mode rage ultime. Oh mec, on va le foudroyer au lit. Je mets un ulti, je mets un ulti. Non, le gameplay est trop fou. Ce jeu est vraiment bien. Ok,
Oh là 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 là. Oh my god. C'est pas le plus beau ulti que j'ai vu jusqu'à présent, mais il est sympa. Oh là là là. Ok. Il s'est réveillé. Ok, je capte. A chaque fois que vous ferez un combat avec Saitama, à la fin, la cinématique, il fera toujours semblant qu'il est en train de dormir et de rêver. Parce que bah, il est censé one-shot tout le monde. Donc, voilà. Mais c'est sympa pour le lore, je trouve. Même dans, au début du jeu, vous avez pas vu, mais dans le tutoriel, il y avait des combats de fous furieux avec Saitama. Et à la fin, il s'est réveillé dans la cinématique. Mais du coup, c'est logique. Parce que bah, il one-shot tout le monde. Mais du coup, pour qu'on puisse le jouer dans le jeu, sans qu'il soit trop cheaté, et bah. Ils ont fait en sorte que y a une cinématique de tralala, blablabla. Enfin bref. C'est sympa en vrai. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez à tout péter. Et puis voilà, ciao, j'ai plus de voix.